Mes conseils pour sauver la vie, Institut Spec, votez pour nous. Dans module ça, nous allons aborder la question grossesse. Toujours songer. Femme enceinte et maman petite qui ne travaille pas fait pour les victimes, aucune forme de discrimination à cause d'état. Yo. Yo pas doué ge pièce contact à un yen qui ka nuit santé yo, et yo doué ge tout temps nécessaire pour yo bay petite yo tete ou bien pour yo tirer lettre la bay yo. Mesdames yo doué joindre congé maternité, protection pour yo pas perdre travail yo, protection sociale à aide l'agent depuis sa possible. Les yo considéré quantité femmes qui vivent sous la terre. Yo contrôlé sous chaque son yo qui gen l'âge pour yo faire petit, te gagné 60 qui gagne un travail dans année 2006 là. En pile nan femme sa yo a travail dans économie informelle là. Côté yo pas reconnaître yo comme moun k'ap travail vrai. Ça veut dire yo pa gen aucun règlement ak aucun protection devant l'état. Ki mesdames yo a travail dans économie formelle là. Qui y a travail dans l'économie informelle là, li important pour collectivité yo ak koukou pouvoir public yo ensemble ak société civile là pran yon série mezi pour yo protéger santé mesdames yo, santé petite yo ak santé famille yo. Et puis pour yo aider yo fonctionner sous plan économique là sans qu'elle saute. Mes dispositions yo ka pran comme mezi protection pour femme yo congé maternité, garantie travail, aide l'agent à protection sociale, protection la santé et puis bay femme yo temps pour yo bay petite yo tété. Faut nous pas briller. Femme enceinte ak maman petite qui ne travaille yo pas fait pour yo victime. Aucune forme de discrimination à cause état yo. Yo pa doué ge pièce contact à un yen qui ka nuit santé yo, et yo doué ge tout temps nécessaire pour yo bay petite yo tété ou bien pour yo tirer lettre la bay yo. Mesdames yo doué joindre congé maternité, protection pour yo pa perdre travail yo, protection sociale à aide l'agent depuis sa possible. C'est un programme l'Église Adventiste en Haïti que Institut Spec présenté dans tête collée à l'Hôpital Adventiste d'Haïti, Radio Voix de l'Espérance que UNICEF et Fondation RMF supportent.